qui ne dit pas dire en ça. Non, on ne te force pas. Mais oui, on me force. Mais enfin, voyons. Ah, je vous en prie, monsieur Brun, foutez-moi la paix, hein. Vous devez dire, il doit pleurer tout seul la nuit dans cette grande maison vide. Il faut que je m'explique une fois pour toutes. C'est ça. Expliquez-vous, ça mettra tout au point. Bon, eh bien non, je n'attends pas le facteur. Parce que quand ton garçon a eu le courage d'abandonner son vieux père et de ne pas lui écrire même une seule fois depuis 29 jours, il y a guère d'espoir qu'il lui écrive le 30e. Enfin, une supposition. Que le facteur entre à l'instant dans ce bar et me dise « Monsieur César, voilà pour vous » et me remette un paquet de lettres de 3 kilos, de quoi lire toute la nuit en les relisant 3 fois chacune. Je le foutrai sous le comptoir, je ne l'oublierai pas parce que ça ne m'intéresse pas. César, en somme, que vous a-t-il fait? Il m'a fait qu'il est parti!